Ready. Et salut à toutes et à tous, c'est Nazoc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc une vidéo, on peut dire même très spéciale. Car je fais cette vidéo pour vous montrer un petit truc. Donc là vous voyez Call of Duty Black Ops 3 Digital Deluxe Edition. Donc c'est tout simplement que je vais précommander le jeu. Et comme je sais qu'il y a des packs sur Advanced Warfare, les ouvrir juste après avoir précommandé le jeu, vous faire voir ce qu'on obtient en précommandant le jeu pour l'instant. Donc c'est tout simplement le jeu avec le Season Pass, deux camos et aussi quelques petits trucs qu'on obtient sur Advanced Warfare. Donc moi la précommande fait 100€, mais moi je l'ai à 50€ puisque je partage le jeu avec Isa. Donc allez, on est parti, on va le précommander. Donc peut-être que je vous mettrai ceci en tout petit et mettre par exemple un petit gameplay en fond avec un gameplay soit de BO3 ou d'Advanced Warfare. Je verrai bien ce que ça donne quand je ferai le rendu. Donc là, il faut que je fasse ça. Donc je prends avec PayPal. Bon bah voilà, c'est fait. Maintenant ça va être l'installation du jeu. Ah bah j'ai même de la chance, je sais pas ce qu'il va installer. Puisque déjà ça va assez vite, il m'a pas pris beaucoup de place. Donc, on va faire gérer. Bon, je sais pas trop ce que c'est peut-être pour dire que j'ai acheté. On va entendre la fin du téléchargement. Donc excusez-moi, je profite de boire un petit coup tant que ça se télécharge. Donc et après je lancerai Advanced Warfare pour voir si j'ai bien débloqué ce qu'il fallait. Donc vraiment par contre vous voyez que l'achat de jeu quand vous avez la carte bancaire et tout de rentrée, c'est très très simple. Franchement c'est même un peu enfin voilà, vous avez un enfant de 14 ans, il comprend pas bien pour l'argent et tout ça, il va acheter un jeu très facilement en fait. Franchement moi là c'est parce que j'ai de l'argent sur mon compte Microsoft, vous avez vu, et j'ai le PayPal d'enregistrer dessus. J'ai dû changer, donc c'est un peu plus compliqué peut-être. Mais franchement, ça va vraiment très très vite. Et c'est un peu... Parce que quand vous achetez sur le jeu, bah voilà, après vous pouvez plus faire machine arrière. Il est trop tard. On va attendre la fin, on va voir ce que c'est. Donc vraiment, Black Ops 3, ça me donne vraiment envie. Donc vous aurez des vidéos sur la bêta, ce qui fait plaisir. Je pense plusieurs petites vidéos, peut-être des vidéos enregistrées. Parce que, bon, le temps, il va falloir attendre presque 3 mois que le jeu sorte. Du coup, voilà quoi, faudra... Oui, bon, installation arrêtée, ça doit être sûrement parce que... Bah, pour l'instant, on peut... Ah bah si. Je sais pas ce que ça fait, on va... en démarrant peut-être, si on peut démarrer, je sais pas exactement ce que ça fait. Ça vaut que vous voulez vraiment commencer, mais vous devez attendre encore un peu. Vérifier la date de lancement. Ouais, donc voilà la date de lancement. Donc normalement là j'ai plus qu'à lancer Advanced Warfare et je devrais avoir débloqué quelques petits trucs. Donc je vais encore boire un coup hein, parce que j'ai soif. Alors j'espère que je les ai. Sinon c'est con d'avoir dit ça et qu'au final j'ai rien. Ben apparemment apparemment
Il n'a pas. Pourtant, il devrait. Quoique, faut peut-être les télécharger, sinon. On va regarder ça rapidement. Non. Objet additionnel. Donc, sinon, ce que je vais faire, c'est attendre un peu et relancer le jeu. Rapidement. Donc, on se retrouve tout de suite. Hey, on se retrouve pour la suite. Donc, en fait, pour trouver le pack, il suffit d'aller dans le marché Xbox Live, d'aller dans Advanced Warfare, les packs d'extension, et vous cherchez Call of Duty Black Ops 3 Pre-Order Bonus Pack. Vous cliquez dessus. Vous l'obtenez et gratuitement. Donc l'obtenir gratuitement. Confirmer. Donc voilà, il va le télécharger. Bon, ça va aller assez vite, je pense. Oui, voilà, ça va assez vite. Donc j'ai fait plusieurs games, j'ai chargé pendant un petit moment. J'avais déjà été voir en fait et je l'avais pas vu. Et là je viens de faire venir, je fais bon, c'est pas possible, je vais aller revoir. Et ouais bah finalement j'ai bien fait d'aller revoir. J'avais mal regardé. Donc voilà, hop, il est téléchargé. Maintenant on va relancer Call of Duty. Ah donc voilà. Deux véritablement avancés. Le titre réticule. Bon voilà les trois réticules. Un emblème, la carte de visite, le camouflage. Donc on va faire ouvrir le pack. Soldat d'élite. Oh bon, pas mal. Ça j'avais pas. Ça j'en avais pas non plus, mais bon c'est en professionnel. Donc je prends un musée. Soldat d'élite, soldat d'élite, soldat d'élite. Ah bah voilà un bon petit pack quand même. Donc une arbalète, j'avais pas. Ceci, je n'avais pas non plus. Et l'équipement d'Atlas, que je n'avais pas. Donc voilà, ça fait des beaux petits packs. Donc maintenant, je vais juste vous faire voir. Peut-être c'est ceci. Donc Black Ops 3. Et on va aller dans le stand de tir pour voir comment il est. Donc voilà. Rien de spécial. Ce que je peux faire, c'est peut-être prendre. Faire vite fait une classe comme ça, après j'irai rejoindre Isa et lui dire comment on fait pour l'obtenir. Donc bah voilà, je pense que je vais pas essayer les trois, je vais juste mettre celui-là avec le petit camouflage et aussi faire ceci, carte d'agent, carte de visite, bonus, Black Ops 3. Voilà, après c'était tout moi. Donc voilà, après je peux vous faire voir un petit truc qui est assez sympa, et après j'irai vous faire voir un dernier truc. Donc là bon, j'en ai eu deux, vraiment très bien, je l'ai ouvert, bah c'est sur mon exo. Donc voilà, un petit nouveau truc qui est assez sympa je trouve, d'une équipe, donc c'est, voilà, il est assez sympa. Donc là, je vais juste relancer, donc voilà comment... Et le viseur, donc pas trop très utile. Bon bah voilà, bref. Donc j'espère que ça vous aura plu de découvrir ce qu'il y avait dans le pack pour la précommande dans Advanced Warfare. Sur ce, je vous dis à très vite. Allez, bye tout le monde.